Je crois que j'ai perdu un truc là, non? Ou c'était avant? Oh, je sais plus. On va inverser. On va inverser. J'ai perdu mon petit char de cartel. Mon char de cartel, c'était sûr qu'il allait crever. Toi, tu descends. Toi, tu restes là. J'arrive pas à faire deux pas sans m'en prendre une. C'est une dinguerie. Va là-bas. Hop. Et tu restes là-bas, Calderon. Tu mourras pas bêtement. Nouvel équipage de char pour ce char-là. Tac. On va avancer avec celui-là, il sert à rien sinon. Tac, tac. Là, on va avancer ici. On va aller dans ce bâtiment là-bas. Il y a un truc là-bas. On va avancer avec le char. En espérant qu'il n'y a plus de char Légion. S'il vous plaît. Parce qu'à bout d'un moment, ça devient chiant. On va inverser. On va prendre eux ici, ici. On va les mettre là-bas. Tac. Ensuite, on va prendre ça et ça. On va les mettre là. Ça et ça. On va les mettre là. Ça ici et ça ici. On prend celui-là et on prend celui-là ici. Ok. Non, j'ai une idée. On va prendre toutes les troupes ici. Et ceux-là, ils vont aller ici. Ok. Alors, quand je dis ici, là, ça, tout comme ça, il faut regarder ce que je fais en même temps. Sinon, c'est sûr que vous allez rien comprendre. Parce que quand je dis ici, ça, c'est normal. Hein. Boum! Commandement, vous êtes là? So now you're turning good Samaritan? I don't care what you think about me. Just get a rescue chopper to these coordinates I'm sending you. Voilà, faites pas vos mijaurés là. Faites pas vos casse-couilles. Ok, on va aller là-bas. Force the Bravo team. I've given command your coordinates and requested an immediate evac for you. C'est un peu couillu d'y aller avec des chars là. Boom! Organiser l'évacuation du groupe de reconnaissance. Le groupe de reconnaissance qui devait contacter l'escouade de sanctuaire a subi des pertes et est barricadé dans ce bâtiment en attente d'évacuation. Oui. Bah, c'est ce que je veux en fait, c'est qu'ils se barrent. C'est un peu mon but. C'est un peu le but recherché. J'ai encore perdu des membres de... J'ai encore perdu des membres d'équipage, regardez. Bon, lui on va l'avancer parce qu'il va remplacer encore l'équipage de char. Je sais pas quand ils sont 3, ils sont 2. Oh. C'est bon, j'envoie un hélicoptère. Ok, cool. Oh, le Black Hawk! Je veux un Black Hawk, s'il vous plaît, donnez-moi un Black Hawk. Je veux un Black Hawk. Ok. On va aller dedans. Here's the artillery. Where's the crews? Guns are still intact. They're still ready to use. Who must have abandoned them when the wide has got close? Les tirs de la HE. Ah, il a de la hit, il a pas de HE. Boum, boum! Boum! Me tirez pas dessus, les copains! Hein. Je me fais bombarder par mes propres alliés, ça va pas le faire par contre là. Hein. Je suis vraiment pas d'accord. Non, mais je suis vraiment pas d'accord que ma propre artillerie me canne dans la gueule par contre. Je vais être tellement honnête. Par contre, vous allez me buter, mais bute-le-moi! Arrête de focus les mecs dans le bâtiment et bute-moi ça! Mais c'est pas possible d'être aussi con! Voilà, bah lui il est plus que deux, on le remet derrière! En contrôle zéro, comme d'hab! Comme ça, je suis sûr de pas faire le con! Ah, y'a de quoi devenir zinzin! Les canons automoteurs, on va les prendre! On va aller les prendre. Moi, je vous dis tout de suite, on va aller les prendre. Ok. D'ailleurs, on va aller les chercher. Hop. On va se mettre dans ce bâtiment-là. Et on va aller chercher ça, là. C'est bon, vous avez évacué, c'est cool. C'est quoi ça, à chaque fois que vous dites ? Ok, à feu ! On a plus besoin de les défendre ! Enfin ! On pouvait plus, moi, de les défendre. C'est quoi l'escouade d'armement? Tout! Boum, connard! Est-ce que j'avais bien récupéré le fusil? Il l'a pas pris, hein. Je vais m'énerver.
Tu vas tout de suite reprendre ça. On a move. ATGM, okay. Relocating. Toi, tu vas aller là-bas. Ok, on a un MT2, on a un MAP ici. On va aller le foutre là-bas. Quoique. On va prendre ça, on va mettre ça, on va prendre ça aussi. Alors, vous kiffez mes mercenaires, bande de bâtards? Je vous l'ai dit, les mercenaires, c'est les MVP quand on a plein. Avec les lance-grenades, le sniper, le lance-roquette, le fusil d'assaut, le fusil mitrailleur. Vous pouvez rien faire! Voilà! Par contre, le bloc pas, s'il te plaît. Hop! Ok, on interchange, on prend ça. C'est bon? Oh, il y a encore un char! Oh putain. On met la sauce dans cette partie, hein, avec les chars. Oh, il y a encore, vraiment. Il y a encore des chars légion, quoi. Oui! Boum! Bon, ils ont plus d'artillerie. Et ça, c'est quand même un bon plus, quand même. Mission est presque épuisée. Alors, même pas presque, il est épuisé. Ok, le camion, on va le foutre là-haut. On va le mettre là-bas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une zone de spawn de genre Légion, là. Ok, parfait, tirez de la paix, c'est cool. La paix, c'est la vie, la paix, c'est ça nique des mers. C'est de la paix, hein? Ou c'est de la hit qui tire? Non, c'est de la paix. Voilà, tirez de la paix. Boum! Anderson, tu crèves pas aussi. Voilà, vos munitions, boum! C'était le plateforme de ravitaillement, ça. Les piches! Oh là là, mon dieu. j'ai pris tarif dans cette game. J'avoue que là, dans cette game, j'ai pris quand même un peu tarif aussi. Hein. Y a pas une seule mission assez cool, quoi. Assez posée, hein. C'est une plateforme, ça, pour les Terminators, ça. Bon, je les ai pétés pendant que les Terminators étaient dedans, c'est cool, mais... C'est une plateforme pour Terminator, ça. Je le reconnais. Ok, on va avancer. Ready to rejoin the war? Is it safe out there now? Ouh! Hell no! World's full of machines that would have killed us. The hell to save you from me now. Tell me about it. They came at us out of nowhere. No warning. It's like they just dropped down out of the sky. Probably exactly what they did. Deployed out of an aerial HK. Je sais pas si je vais la couper en deux vidéos cette vidéo, on verra si elle est longue. I reckon they priority targeted us after we destroyed their screening dome. Screening dome? We landed hits on the building with the ventilation shaft to that factory they got underground. There was a metallic dome covering it. Some kind of signal screening cover. When we destroyed it, the wireheads went crazy. Started attacking all our nearby units, then us. Those guns still got ammo? Oh yeah, plenty. Good. Oh. Then reman your guns and give us supporting fire. Plein. On va avoir de la couverture. On va avoir de la couverture. Nice. Hear that? That destroyed screening dome. It was protecting the entry point for the factory data stream. Signal emissions are pouring out of it. Shit. No wonder the wireheads went on the attack after it was hit. They're probably already building another dome. But for now, we've got our entry point into that factory. Enemy fire! C'est une blague. C'est une putain de blague. Vous allez die un bout d'un moment. Ils ont combien de chars légion par contre? Pour ça, je me pose la vraie question. Par contre, il ne reste plus beaucoup de... Tu vas tirer? Prends les forces, s'il te plaît. Ouais, merci. Prends les forces. Ouch! Heureusement que j'ai du blindage maintenant. Oh là là. Ok, là, faut protéger ça. Ok. Ça me va. En vrai, ça me va. Ok, ici, j'ai plus besoin de protéger ici. On va avancer. On va les mettre... tiens, dans ce bâtiment-là, faut que j'aille le fouiller aussi. Tac. On va se mettre là-dedans. Tac, tac. On va se mettre là-dedans aussi. Là-dedans. Ok, là, on avance. On avance tout ça. Là, on est bon. Munitions, lui, pour venir au bercail. Il a plus de munitions. Ça, je les laisse en cas de secours ici, hein. Vraiment. C'est quoi ça? Munitions aussi? Ils sont tous blindés? Munitions? Ok. Bon, ça, on va le laisser là, même si à 732, on va pas pouvoir en tirer.
We're friendly. Your founders? Shit. Are we glad to see you guys? A lot of you here. This your whole unit? Used to be even more of us before we got cut off by a warhead counterattack. Time to get back to the battle then and get some payback for your buddies. Ah, ok. On a un nouveau bonhomme. Ah non. C'est bon? Ok, l'artillerie, protégez-moi pendant que j'y vais. Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. C'est quoi ça? Munitions. Ok, cool, ça peut être intéressant. Le lump de transport, je m'en fous. Vraiment, je préfère la remorque blindée. Hein. Allez, bêtez-le par contre. Bêtez-lui le cul, s'il vous plaît. Je rentre pas dans les bâtiments, il y a des terminators dedans. Moi, dès qu'il y a des terminators dans les bâtiments, je rentre pas dedans. Je vais me faire allumer. Ils ont tellement plus de... J'ai oublié. Tellement plus de puissance que moi dans les bâtiments. Quoi que ce soit. Il y a que les mercenaires qui pourraient encore se défendre et les guerriers avec des fusils à pompe à placement. Et encore. Mercenaires contre les terminators. Contre des REV6 par exemple, ils vont pas faire l'enfer. Ok, toi tu te repars. Alors oui, ils ont repris leur truc, mais j'espère qu'ils vont pouvoir faire le taf quoi. C'est un peu le principe quoi. Là on est pas mal hein. Et là on a pris vraiment la moitié, enfin la trois quarts de la map hein. Ça c'est cool hein. Par contre on va devoir attaquer leur base. Là, attends, j'avais pas un équipage de char quelque part qui était gratuit. Ok, c'est là. Par contre le problème c'est que le gros problème c'est que je commence à être un peu limité quoi. J'aimerais bien avancer, on va avancer tout ça, hein. L'artillerie, tout ça, on va avancer. Tout ça? Non. Attends, tac. Tac, on va avancer encore tout ça. Ok, on se met là, on va préparer l'attaque sur la base. Ok. Ça, on les laisse là, hein, comme à notre habitude maintenant. On va le mettre là-dedans, vu que tous les bonhommes que j'essaie de garder en vie, on va les mettre là. On va les laisser tous les mettre ici. Et ça, on a quoi? En vrai, c'est un camion avec un ATGM, ça peut être value en vrai. On peut laisser la remorque ici. Ouais, on laisse la remorque ici, on va juste prendre l'ATGM et on va le mettre là-haut pour défendre. Et puis nous attaque ici. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre dans ce bâtiment-là? Il m'intéresse ce bâtiment-là. Vas-y, go. Non. Tu peux t'arrêter? J'essaie de le prendre depuis tout à l'heure, là. Hey! Je vais en avoir un ras le cul! Prends un véhicule, je vais le faire allumer! Mais toi, tu pouvais pas tirer avant? Ah, y'a de quoi devenir taré, hein? Je viens de faire rachat, gratos. Bon, là, j'ai un Bradley, mais il va me servir à rien. Hop, on met tout ça là-dedans, là. Avec tout le monde là-dedans. Tout mes lance-roquettes là-dedans, d'ailleurs, tout mes lance-roquettes là-dedans. On a rien à foutre, on prend ce bâtiment, on contrôle à droite. On a des munitions là. Oh, tu kiffes là? Vous allez le finir? Ouais, merci! Vache! Vous avez vu toutes les roquettes qu'il me fout dans la gueule? Ça suffit même pas quoi! Ça va me rendre zinzin! Là, j'ai encore perdu un char, j'aurais pu avoir un char gratos et je l'ai perdu ici quoi. Incroyable! Non, vraiment, c'est abusé quoi! Le mec, je sais pas ce qu'il branlait, j'appuie sur C ou la puce de B sans vouloir et je pouvais pas le reprendre et le sélectionner pour qu'il se barre. Non, j'ai wesh, ça marche pas ça! Désolé. Qu'est-ce que vous branlez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Je parle des ennemis, hein, je parle pas de mes ATGM. En vrai, on prend le véhicule avec eux. J'imagine que c'est pour prendre le véhicule, en fait, c'est juste pour t'entraîner que tu prends le véhicule. C'est quoi ça encore? STGM, c'est bon? Tu te prépares? Tu vas tirer ou... Ils viennent de là. Ok. Oh, il y a un char légion, bien sûr, toujours plus. Par contre, toi tu peux rien faire contre le char légion, donc tu te sautes direct. Hein.
prendre le char. Eh, cette usine de mort, c'est une dinguerie. Ouais, j'aurais dit beaucoup, beaucoup de fois dinguerie dans cet épisode, mais c'est une dinguerie. Hein. Faut casser les couilles. C'est bon, allez. Ils ont des tourelles. Oh, j'avais zappé qu'il y avait des tourelles dans cette base de mort. Oh. Oh, j'ai plus de munitions. Oh, le con. Ah, tu sais quoi, j'ai le tuer. Allez, bombardez-le, bombardez-moi ça, là. Il va où? Non, non. Non, ouais, va là-bas. Tiens, ça, on va le ramener là-bas. Ça, c'est quoi, le remplacement de... l'emplacement qu'ils avaient ici. On va le prendre, nous. On va le reprendre. On va inverser les rôles. Hop, ça on va le mettre ici. On va le mettre ici. Ok, ça c'est cool. Underground levels of that storage station are full of supplies. Got all the ammo we need down there for now. Par contre, t'as combien de flares toi là? You guys are the hacker squad? You sound surprised to see us. We usually see computer geeks this close to the action. We go where we're needed. And we wanted to try and check out weaknesses in that base's network connectivity. Find any? We confirmed that if you find any physical entry point into the data streams, Legion cuts it off as soon as it detects the intrusion. That's bad, right? And there's a wireless network inside the factory. It doesn't have an external presence due to natural screening from the surrounding ground, as well as extra screens built into the walls. So that's even worse? I didn't say that. The factory has several surface access points. The gates and shafts where newly manufactured units exit to the surface. So you could connect to the factory systems? Managed to get in briefly, but only to some production line systems. So at the tank assembly gates, you can only connect to the tank assembly network. At the infantry assembly, only that network there. You get the idea. We fooled around with some of those systems, but Legion was quick to kick us out and restore control. But if we could get in there and connect to the main factory data streams... You're exactly what we need. We're gonna get you in there, and you're gonna shut that factory down for us. Ok. Donc, si j'ai compris, ils peuvent désactiver des trucs à usine. Hey, you mentioned hackers? You forget about me? You forget about me? I'm a hacker too, remember? Ouais, mais les gars, je peux pas bouger. Great. So now we've got a backup plan in case something happens to the main hacker squad. You got someone else who can operate these data streams? Le Finch encore, ok, mais... We can simultaneously connect to entry points in different workshops and halt production there. Or disrupt the programming of units being manufactured there. You can get the wireheads they're making there to fight for us? Sure, but only as long as we control those data stream entry points. Soon as we leave, Legion will re-establish control of those hacked units. Better than nothing. We'll deal with it. Okay. Sounds like we have a solid plan. Gotta keep those hacks protected. Okay. J'ai eu beaucoup d'informations. Et ils peuvent pirater des trucs dans leur base, okay. Si j'ai compris. Here's the plan. We fight our way into the base, and the hackers connect into the data streams that are coming through the central shaft now that the screening dome's gone. They launch a massive DDoS attack, which will make Legion isolate the base from the rest of the network. And the factory shuts itself down. And without the flow of wirehead reinforcements from the factory, the Founder forces can finally take down that base. Right, that's our plan. So let's do it. Ouais. Donc ça, c'est quoi? Les chars rassemblés dans l'usine de Légion sortent par ces portes. Ah, c'est ici que nous pouvons accéder aux flux de données. C'est-à-dire... Enfin, on va pouvoir leur péter le cul. Les plateformes des araignées de Légion quittent. Ok, c'est ici, c'est les plateformes. Ok, et là c'est quoi? Les aéronerfs. Oh putain. Et ça c'est quoi? C'est les cyborgs. C'est les cyborgs, les Légions? Oh, vas-y, va te faire mettre. Tu sais quoi? Descends, tu vas juste crever. Ça. J'ai pas envie de perdre un deuxième char. C'est bon, j'ai déjà perdu un char. À un bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Voilà, merci, tu l'as pété. Ah, il y a encore un deuxième, ouais, toujours plus. Ah oui. Faites un effort, s'il vous plaît. Yes, on en reprend le char. Ok. Il ne reste plus que deux bonhommes, hein. J'espère qu'il n'y a pas de défense, là. C'est là avec leurs tourelles de partout là. Hop, tu arrives par ça et tu te casses d'ici. Oh putain, y a des tourelles. Ok, l'artillerie. Fais le travail parce que là c'est abusé là par contre.
tirer sur ça, s'il te plaît. Tire sur ça, s'il te plaît. Genre, non, mais foire-le pas ton tir. Par contre, il me faut Flinch, c'est ça? Mais Flinch, il est dans un véhicule. Ah, c'est important. Ok, il me faut Flinch. Non, ça, c'est Bob. Ça, c'est Bob. Bob reste dedans. Ok, on va mettre les... on va mettre ça, on va mettre des munitions ici. Ok, lui, on va le prendre, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'on va en avoir besoin. Ces techniciens peuvent pirater le système de Légion. Donc là, on va, si j'ai bien compris, faut qu'on aille là et qu'on pirate ça. Ça, je l'avais pas fait aussi dans ma campagne, j'avais pas eu. J'avais pas compris ce qu'il disait par là, en fait. Ok, j'ai compris. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Ok, il va en faire des... Ah, par contre, mets-toi. Oh! Barre-toi. Hein? Comment il a pété ça? Je viens de le voir là dans, sur la carte. Comment il a pété? Il s'est pas auto-fumé la gueule, il s'est pas tiré sur lui-même. Oh vas-y, eh vas-y, sans déconner, vas-y. Ça, tu le caches, hein, j'ai plus rien. Vraiment, j'ai... Ça devient débile, hein, vraiment, c'est... Il y a trop de trucs qui se passent en même moment. Là, on va le réparer. J'ai des munitions. Oh, j'ai plus la TGM. Là, j'ai plus de munitions là-dessus. On va... Tu sais quoi? On va aller piquer toutes les munitions là-dedans. Ouais, on va aller piquer toutes les munitions qui sont là-dedans. Lui, il répare. Calderon, je vais avoir besoin de toi. On va reprendre le flambeau parce que je crois qu'il n'y a plus que toi. Hein. Ouais, il n'y a plus que toi. Quoique. Calderon, tu vas prendre ça. Toi, est-ce que j'ai des mecs qui ont... Est-ce que j'ai des mecs genre... Bub, en fait, on va interchanger. Tu vas prendre... Ouais, tu vas prendre ce véhicule-là. Toi, tu vas prendre le Bradley et tu vas te barrer avec. Par contre, le fait qu'ils attaquent en constante, c'est vraiment chiant, vraiment. Je le dis, je me répète, mais c'est vraiment chiant. C'est vrai que j'ai cette merde au pire. Pour foutre la merde là-bas. Le sniper, ah le sniper, c'est vrai. Le sniper, on peut foutre là, là, j'attends plus. Il se remplit. En vrai, Calderon, si, Calderon, elle va prendre le véhicule là, elle va se barrer, ça tu répares. Ça, tu le gardes. Ça, par contre, tu le prends et tu le barres avec. Enfin, c'est quoi le meilleur? Ok, lui, il a un ATGM. Et lui, je sais pas. S'il a un ATGM, je le vois, la carte. Par contre, toi, tu te barres. Toi, tu te barres et tu te planques. Ah, je suis obligé, hein, de jouer comme ça. Ils ont plus rien, donc... Est-ce qu'il me reste des munitions? Putain, d'insectes à la pointe. Il n'y a plus rien, quoi. Toi, tu peux planquer ici. On va mettre tous les véhicules ici, on les planque. Oh, il y a un ATGM là-dedans, on peut le prendre, on peut aller chercher là-bas. C'est intéressant les ATGM parce que au moins ça tire de loin, quoi. T'es assuré de toucher. Ok, ça on va le prendre. Munitions. Bon, ça continue à se vider, c'est cool. Lui, on va la prendre. On va essayer de capturer ça. Hein. Parce que j'y arrive. Depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Il y a toujours des robots. Je suis sûr que là. Par contre, je vais me charger de ça par contre. Oh non, faut foirer pas tes tirs, s'il te plaît. Juste foirer pas. Juste ne foire pas tes tirs, c'est tout ce que je te demande. Non, foire pas tes tirs, s'il te plaît. C'est quoi, c'est un anti-char, c'est quoi? Ça reste d'une tourelle normale. Si, il a un anti-char. Il a un anti-char. Je le vois sur la carte. Ok, je le vois sur le. Ok, on va pirater ça là. On va couper sa machine de merde. Ah bah ils ont ravitaillé, ok c'est ça qu'il disait, il a ravitaillé les dans le dépôt de ravitaillement.
Je peux pirater ça si j'ai bien compris tout. Finch, je l'avais pris ou pas? Nuss found a way of hacking into the Wirehead's tank production line. What do you want him to do? Ok, c'est quoi qu'on peut faire? Provoquer une surcharge, désactivera la ligne pendant 10 minutes, après quoi la production reprendra. Infecter le système d'identification de l'ennemi avec un virus. Prenez le contrôle de tous les chars en cours de production. Les chars produits seront alliés tant qu'un pirate informatique reste au point de connexion. Je reste. Si je peux avoir leur putain de char qu'ils arrêtent de m'envoyer des chars légion, c'est cool. Ouais, on a leur char. Les chars assemblés dans l'usine de légion, ouais, on a leur putain de char. Nice. Oh, alléluia. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a un char qui sort, ça va être mes alliés, c'est ça, où je pourrais les contrôler. C'est bien ça, hein. Si j'ai bien compris. Par contre, il y a encore les aéronefs qui sont là-bas. Hein. Est-ce que ça peut défendre toute la zone? Ils ont plus de munitions. Il n'y a plus rien. Je suis vidé partout. Hop, ça. On restock tout. Ça va partir, hein, la munition. Hein. C'était sûr. C'était sûr que ça allait partir. Tac. Tac. On va mettre un char de défense ici. Ok, là on a le véhicule ici, on a le TGM qui est là, c'est cool, ça c'est cool. Vous vous foutez de ma gueule. C'est une blague ou c'est quoi cette légion? Non, arrête de tirer là. Je suis plus là. Putain, y'a un char légion ici, sans déconner. Allez, plus vite avant que le char vienne me défoncer le cul. S'il te plaît. Bon, bah lui, on va devoir interchanger encore avec lui. Et on va... Et on va faire... Non, je te jure. Mais bougez votre cul! Mais c'est pas possible d'être aussi con! Je vous promets, ça va me rendre zinzin, les trucs comme ça. Ouais. Tu vas le buter. Bute-le, s'il vous plaît. Je n'ai rien à foutre. Les bonhommes, ils bougeaient pas. Je m'en fous. Ellipse, je refais tout. Je m'en fous. Là-dessus, j'accepterai pas. Les mecs, ils ont arrêté de bouger, j'ai pas compris. Vas-y, pète-le cette fois. Allez, je crois en toi le jeu, vas-y. Finis-le, sans forêt. Finis-le. Allez. Oh. Par contre, j'ai perdu beaucoup. Là, on a les chars, ok, on a ça. Eux, il fallait que je les ramène. Le record. Je l'ai remis dedans, c'est bon. Ah, j'accepte pas, le record, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, je suis désolé pour m'être énervé juste avant. Mais honnêtement, là, les mecs là qui bougeaient pas leur cul, ça m'a rendu zinzin. Je vais être honnête, ça m'a rendu zinzin. On va les mettre là. On va mettre une défense ici. Bon, lui, on va mettre là-bas. J'ai bien envie d'inverser. Hein, de... Ouais, vas-y. Il y a combien? 4. Ok. On va inverser avec les chars. On va inverser avec les chars parce qu'en vrai, c'est les chars qui avancent. Aïe. Il me reste combien de ici là? Ok, il m'en reste encore 4 dans un TGM. Bon, lui, il s'est toujours auto-pété la gueule. Génial, j'adore. On va mettre la TGM ici. Toujours les mercenaires. Ok, ça passe. Je... Désolé, j'ai dû refaire tout là à cause de ces connards là, vraiment. Pardon, mais. Quand il y a des choses qui sont agaçantes. Pourquoi tu l'as pas pris, toi, t'es venu? Ouais, par contre.
J'ai toujours mis. Ah, il me manque. J'ai dû perdre un mercenaire dans l'histoire. J'ai pas fait attention, j'ai dû perdre un mercenaire. Ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Le plasma ici. Qu'est-ce qu'il fout là? D'ailleurs, ça là. Prends ça et on va aller se barrer avec. Il est où mon MT de l'émission? Ah, il est là. Recherche tout le monde. Par contre, si tu veux bien le baiser, ça serait cool. Ok, on va prendre ça. Ce sera peut-être plus précis qu'un plasma. Parce que le plasma, à chaque fois, le tourelle, j'ai l'impression qu'il est un peu nul. Avant d'avancer. C'est quoi? C'est une tourelle? C'est juste une tourelle. Il n'y a pas d'anti-char dessus. Ok. On va juste se mettre de face. Il n'y a pas de char légion, c'est bon. Donc, c'est quoi? On prend une légion. C'est bon. Piquer leur truc à. Voilà, merci. Y'a toujours pas de char légion qui sort là? Je puisse en avoir un, le contrôler là? Non. Ok, 2-2, c'est pas mal. On a Flinch ici aussi qu'on peut prendre. Ça on répare. Est-ce que j'ai des mecs qui peuvent conduire c'est pas con. On peut prendre genre lui. Non mais lui il va pas tirer. Lui il va pas tirer. Oh, je sais pas. J'ai en train de me poser la question en fait où je devrais interchanger. D'ailleurs, on va prendre ça. C'est toujours ça à vendre. C'est un carburant, ça peut être pas mal. Je suis en train de réfléchir en fait pour l'artillerie. En fait, vu que lui, il peut conduire des chars, j'aimerais l'inverser avec Flinch pour capturer encore d'autres zones. Ok, toi par contre, au bout, tu. D'abord. Il devrait avoir un autofocus sur les véhicules en priorité. Merci. Voilà. On va prendre cette zone, hein, la con. Le conduit de ventilation principal de l'usine souterraine de Légion. Le dôme de brouillage qui le surplombe. Ok, là, ils arrivent. Nice. Ok, on répare vite fait ça. On va mettre plein de bonhommes ici. Et on va prendre le. On va recharger ça, on va le mettre ici. Vas-y, dépêche-toi là, dépêche-toi de. Okay, c'est bon. J'attends que la box elle soit ouverte pour pouvoir bouger le véhicule maintenant. C'est vrai que j'ai ça. C'est vrai que j'oublie que j'ai cette merde. C'est vrai que j'ai ça qui peut gérer toute la zone. Bon. Ok. Ok, ils arrivent. Ok, bombardez. Ouais. Par contre, elle est où l'entrée là? Où là-bas? Vous pouvez rentrer là. Voilà, merci. J'allais dire quoi, c'est où que vous allez là? Entrez. Je leur ai demandé de rentrer. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire le tour. Hein. Regarde, on saura jamais. On saura jamais pourquoi ils veulent faire le tour. Hein. Tu vas rentrer? Pourquoi vous faites le tour? S'il vous plaît, il y a des endroits. Oh, il y a une tourelle. On va essayer de la. Oh, je peux tirer de la tourelle ici? Vas-y, go. En plus, ça me canarde mes bonhommes, ça peut faire. On va prendre un effort, s'il te plaît, le jeu. On peut pas l'avoir d'ici, là. Allez. Oh, la précision, je te jure, c'est dingue. Pour les tourelles, j'ai l'impression que c'est. Regardez. La précision pour les tourelles, c'est juste débile, quoi. C'est moi ou. J'ai l'impression que ça a été pété au niveau de chez de rechargement, ça. Ok. Ok, on a pété. Bah, en vrai, il me faut Flinch. Donc ça, tac, ça, tac. On répare. Est-ce qu'il y a un mec Ouais, toi, tiens, toi par exemple. Toi, tu vas prendre ça. Flinch, on va te prendre, c'est toi qui as piraté. On va pas aller là-haut. On va rester dans cette défense ici, on est bien. En vrai, on est bien. Ça, on répare.
Ça, c'est pas encore full. Là, tu peux pas te mettre au milieu. Et stop. Voilà, grâce à ça, ça va deux fois plus vite. Voilà, je prends les deux. Ok. Ok, parfait. Non. J'ai eu peur. Je vais pas me cacher, j'ai eu un peu peur. Bon, ça en vrai, on va le foutre là. J'ai des chars légions, enfin. Enfin, j'ai des chars légions alliés. Eh bah putain. Faut pas se faire prier, je te le dis. Il va prendre la route, c'est sûr. Prends ici, s'il te plaît, va ici. C'était sûr, hein. C'est une blague. Ouais, shit. Shit, sa grand-mère, la... Salope. Pardon. Ah, ça... Je suis désolé, j'ai craqué. Je te jure, pourquoi elle a voulu prendre la route? Pourquoi elle a voulu prendre la route? Il y avait... Alors c'est pas grave, c'est des pertes. Ça fait chier quoi que ça fasse des conneries pareilles. Plus c'est un truc du cartel, il m'en reste plus beaucoup moi des trucs du cartel. En vrai le camion là. D'ailleurs c'est le camion de quoi d'ailleurs, c'est à la base. Ça aussi va se barrer là-bas. J'en aurais perdu des trucs dans cette map. Hein. Eh mais attends. Recharge les munitions aussi bien. Voilà, comme ça va recharger ça en même temps. Ok. Que tu vas là-haut. Ah, tu peux pas poser, regardez. Tu peux pas poser sur le truc. Oh, c'est con ça. Bon, on va mettre l'artillerie ici, on va la mettre derrière. Elle va pouvoir couvrir un peu. Ok, ça se vide pas mal. J'ai toujours ça au pire. Ah, eux, c'est vrai qu'ils avaient pas bougé. Mais en vrai, on reste derrière aussi. Je pouvais pas acheter de blindage cartel. C'est ça qui me fait chier, c'est que c'est un véhicule avec du cartel en fait. C'est un véhicule léger cartel. Donc ça fait un peu chier, j'aurais plus le blindage quoi. Bon après j'aurais la vitesse mais j'aurais plus le blindage. Ça c'est vraiment problématique. Ok. Il tirait quoi ce truc là à la base de camion là? Il devait tirer... Ah oui, il devait tirer cette remorque. Bon on va le remettre là-bas, il a servi à rien du tout. Il a vraiment servi à rien du tout ce véhicule. On va se mettre là. Commence un peu à se rapprocher de la base. La tactique. Oui, faut toujours défendre cette artillerie, hein, ça peut toujours être utile. Oh, bien. Mais vas-y, ça fait pas de dégâts. Par contre, Char Légion contre Char Légion, qui a gagné. Moi, je parie sur Char Légion. Ah, je sais pas, j'ai un pressentiment. Char Légion va gagner. Voilà, je t'avais dit que Char Légion allait gagner. Par contre, le fait qu'ils en ont encore un de char, ça me saoule. Ça lag un peu là. Alors, ça, le même de carburant, on va le mettre là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais finissez-le. Ok, y'a plus qu'un. Y'a plus qu'un. Juste finis-le. Voilà, merci. Et ça, c'est quoi? C'est un anti-aérien, c'est pas très grave ça. Ok. Les munitions, par contre, est-ce que ça, c'est cool? Est-ce que là, on est cool pour pouvoir ravitailler ici? Là, il reste des munitions. Plus munitions. On se casse. Ok, ça.
on se casse là-bas aussi. Je vous promets, après la, je sens que la vidéo, la, je sens que cette vidéo elle va être en deux parties comme Nueva Tortuga. Hein. Et en plus de cela, il y aura beaucoup de pertes à la fin de la game. C'est sûr. Ok, ça c'est cool. Et tout ça, on s'en fout. On va se mettre là. En vrai, là, t'as ça ici. On va mettre ça là, on va mettre ça là, et ça là. Au cas où il y a des chars qui viennent ici, au moins, on est tranquille. J'ai oublié de prendre eux. Moi je prévois tout, hein. Vu la game, comment elle s'est passée, faut que je défende ici, hein. Je peux pas laisser. Ici, j'espère juste que je vais pas me faire attaquer. Oh, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur, c'est ici. Parce qu'ici j'ai vraiment tout et j'ai rien pour trop défendre en fait. Ici j'ai un ATGM avec lui mais il va pas tirer vu qu'il est tout seul. Je pense. Hop. Hop. You guys engineers, y'all kind of carried away with blowing up these buildings we just dug you up. They're being hidden in there kept us alive when the wirehead swept. Des ingénieurs, nice. Get back into the fight or you need to back out of here. You need some engineers, cause we're ready to get back into the fight. Oh, les ingénieurs, vous êtes un peu mes sauveurs. Yes, sir. Ok, ça, on va me foutre là-dedans. Et l'ingénieur. Engineers on route. Tac. Yes, sir. Équipage de char. Il va se cacher. Il va se cacher là-bas. On my way. Dans les véhicules. Pour... Ah, vous jure, il y aura une grosse ellipse, je pense, pour pas mal de choses. Ready, sir. Surtout pour récupérer tout ce qu'il y aura sur le terrain. Parce que... Elle était longue, cette carte. Pouf. C'est pas pété ça? Ouais, ça peut pas tirer. Bon, en tout cas, lui, il tire à l'infini, donc c'est cool. J'ai l'impression que lui, il tire à l'infini, donc bon. Bon. C'est con, il y en a une qui a été pétée, mais au moins, il peut défendre. J'aimerais bien voir leur tir. Ça, c'est vrai qu'il y aurait. Hop, on va se mettre là, on va la charger, je vais mettre quand même le char devant. Avec lui d'ailleurs. Et on va recharger aussi le char en même temps. Fallait qu'on capture ça hein. Ouais vas-y on va capturer ça. Par contre je veux juste aller chercher ça parce que. Merci. Donc en fait l'artillerie là est en train de tirer. Non. C'est quoi cette merde? Sans déconner, pourquoi il a voulu se mettre de dos? Tu recules mec, tu recules. Ouais, vous avez vu, il avait montré son cul. Ok, ouais, bah, c'est bon, je crois que je suis bien défendu. C'est parti, à tous les protéger les pirates. Une fois qu'on aura lancé notre attaque, les gens nous contre-attaquera. Après, avec toutes les troupes à disposition, il nous faut plus de temps pour nous préparer. Non, c'est bon. C'est bon. Qui viennent, ces bâtards. Ah, vraiment, qui viennent. J'en ai rien à foutre. Juste par contre, on va inverser. On va inverser les deux. Je préfère avoir un vrai full équipage là-dessus. Lui, il va rester en retrait. Vous remettez la max à tout le monde. Toi, tu répares. Toi, tu recules là-bas. Et toi, tu recules aussi. Toi, c'est bon. Toi, c'est cool, il a dû la recharger tout le monde. Tu te replanques là, vite, dépêche-toi. Tu te planques derrière, on est pas mal derrière de toute façon, on est bien. En plus, c'est le MV. Ah, c'est le MV de 81 en plus que j'avais perdu. Ah, ouais, ça... j'avais raison de m'énerver en fait. Hop, on va se mettre là. Et hop, toi, tu recharges. Ah, tu mets. Comme ici. Et pour l'instant, ça a l'air cool, il y a pratiquement personne. Le fait qu'on ait quand même leur truc de... Le fait qu'on ait quand même ça, c'est cool. Ça devrait suffire. Ah ouais, des renforts.
Ah, des Black Hawk! Je veux les Black Hawk! Let's go! Merci, commandant des Rangers! J'aurais préféré que vous veniez avec 36 milliards de Black Hawk qui me tournent. Oh, il me protège! Il est resté là, il protège la zone, c'est génial! Attends! Mais c'est cool ça! Moi, pourquoi j'avais pas fait ça? Pourquoi j'ai dû faire. Pourquoi j'ai la possibilité de. Pas crevé toi, tout de suite tu vas pas. Tu tires pas toi la TGM? La TGM, canard, c'est bon. Voilà, c'est ça que je veux voir. Boum. Bon, avec un peu plus d'effort, mais. Ils ont perdu le canon, quoi. Ok, il me reste un ATGM. Est-ce que j'aurai le temps de mettre une ATGM dans le cul? Ok, ça c'est cool. Oui. Encore un. Ok, encore un. Il a été détruit? Je crois qu'il a été détruit. Je crois qu'il est. Non, c'est juste le fait qu'il puisse passer. Ok. J'espère juste que je vais pas me prendre des mines dans le cul quand même. Toi, tu vas revenir là-bas. Ok, c'est cool. Ouais, la TGM reste là-dessus. Oh, j'ai pas mal. Je suis bien. Par contre, on a combien 15%, c'est tout. Oh, bah putain. Attends, non. 35%. Ok, ça c'est bon, on peut le cacher. 65%, nice. Vas-y, continue. Arrête-moi ces légions là. Par contre, il tire à travers le bâtiment, ça, je suis pas d'accord par contre. We're increasing the network noise level to mess with Legion's ability to connect between base modules. The more noise we make, the weaker the connections. And, bonus, machines will start to go haywire. Have their friendlies' recognition systems glitch, have issues with behavior and pathfinding logic. The base's security system will toggle on and off randomly, turret controls will bug out. It's gonna be great. As long as it gives us any kind of edge over Legion. Can't say it's gonna happen en masse, but we'll definitely see some isolated glitches. Ils vont s'entretuer, c'est ça? Ça va créer un virus dans le cerveau du Terminator, et ça, dans le processeur du Terminator, et ça va... Ouais, ça va foutre la merde, c'est ça? J'ai bien compris, ça va prendre, tu te caches, s'il te plaît. Ah, cette défense ici! J'en ai une ici au cas où, avec tout ça, mais. Ils viennent tous en haut là, hein, j'ai l'impression. Ah, mais non, on ne peut pas! Ça lag un peu, hein, même pour moi, je vous rassure. Ça lag un peu, il y a tellement de trucs là qui se passent. Canon détruit, nice! Faut le finir pendant qu'il est. Je prends des risques! Mais il s'est caché pour fermer son canon, moi je m'en fous, je vais le chercher. Regarde, il essaie de se réparer là, le bâtard! Vas-y, répare-moi aussi mon truc de rechargement là. Allez, vas-y, répare-moi ça, vite, plus vite que ça, allez, là. C'est pas calé, enfin, c'est vrai que c'est pas bug. Allez, go, là, bombarde-moi ça, là. Tu veux pas le tirer dessus? Merci. Ok, plus de canon. Y'a un autre char, vite, dépêche-toi, finis-le. Parfait. Y'a encore deux autres chars. Toujours plus, dans l'excès. J'aime l'excès, comme on dit, hein. Allez, go. Plus de canon. Vas-y, canarde-le à travers le bâtiment. Moi, j'aime quand un plan se décroule sans accroc. Vas-y, bombarde-moi ça. Par contre, ils sont vénères, hein.
Par contre, finissez-le par contre, à bout d'un moment, avec toutes les roquettes que je lui envoie dans la gueule. C'est une blague. Ah, mais il se répare en même temps, l'enfoiré. Je viens de voir qu'il se répare en même temps. Répare-moi le système de rechargement, s'il te plaît. Sors de là-dedans. Voilà, enfin! Sors de là-dedans, Bob. Bob, tu vas pas mourir comme ça. Bob, tu resteras en vie jusqu'à la fin des... à la fin des temps. Tu te tournes vers moi ou pas? Attends, avec la fumée, je vois pas. C'est bon? Oh oui, plus de canon! Fume-le, 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 fume-le! Avec tout ce que j'ai mis quand même dans le char d'avant. Non, mais attends. Vas-y, run. Oui! Fuis, il y a de la roquette. Ouais, bouge le char légion comme si c'était de la friandise. Vas-y, c'est pas grave. Ça a pas de logique, mais on s'en fout. Ok, le char il se barre. C'est bon, le char il a fait son travail. J'ai plus d'obus. Et lui, on peut le prendre et se dégager avec. Eux ils ont pas de but, ils ont plus rien. On se dégage avec. D'ailleurs, je vais me servir d'eux en fait pour enfin TGM. Combien elle a dit? J'ai pas entendu. 10%. 100%, espérons que les gens ne se. Ok, ça veut dire que c'est bon, elle a fait son travail. Ouh! Putain! Mais j'ai même pas perdu Bob. C'est beau. J'ai perdu aucun héros en plus, hein, je crois, dans l'histoire. Par contre, bon. C'est vrai que je leur coupe la possibilité de faire des chars. C'est vrai. Mais quand même, bon, c'est un peu abusé. Quoi. C'est bien, ils m'ont pas attaqué là-bas par contre. J'ai eu trop peur qu'ils m'attaqueraient là-bas. Ouais, ils sont vraiment focus là-dessus, quoi. Par contre, ils viennent que de là, du nord. Ils sont pas venus d'en bas. Hein. J'avais préparé pour en bas, mais ils sont pas venus. Hein. Parce que là, il y avait peut-être de la TGM hein, ici, hein, pour que vous ayez des chars. That's how we're gonna win this war in the end. It thinks it's smarter and stronger than us, but it's a machine. And it will always predictably think like a machine. C-Force, the Founder's Command. We've taken the manufacturing plant beneath Legion. Punaise, le nombre de chars qu'ils m'ont envoyé. That base is wide open to attack now. Think we're gonna take your word for anything, Church. After the way you lost us in the Haven base. Listen to me. That factory's offline. It can't provide reinforcements. This is the best chance you'll ever have to take it. Who are you really working for, Church? You were out there alone in the field a long time. How do we know you didn't turn traitor? Ça veut dire que cette carte a été longue aussi. Lieutenant, this is Founder Command Actual. Disregard that last comment. Are you sure that factory is offline? Yes, sir. But it's not going to stay that way for long. Then I'm ordering a full assault on the base. All Founder's forces are to go on the attack immediately. Sir, this is a mistake. Lieutenant Church is a deserter and a traitor. Let me deal with him as he deserves. Stand down, General. That's an order. Church, I want to hear your version of events. Lui, c'est le noir, c'est qu'on voyait qu'au début du jeu aussi, quand j'y repense. Vous savez qu'il y avait, quand on jouait Steven, au tout début de la première mission. Toute première mission. Ah. Finally! J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. I've countermanded the orders to bring you in. Come in on your own. And I'll listen to what you have to say about the actions of you and your force and what happened at Haven. All our units have orders to let you freely pass. Okay, let's get to that command center when we're ready. Mais réintégré au fondateur, c'est bon, même si j'ai foutu la merde, j'ai pas tué le mec et tout, c'est cool. Oh là là. C'est quoi ça? Casse-toi avec ton aéronerf là. Ready for launch. Fuis mon gars. Oh. Oh! Attends, il va me casser les couilles! Boum! Ils peuvent pas se réparer. Ah! Saleté de l'heure! Vas-y, on va la voir. Viens, avant de vous laisser pour faire le tour de la map, pour prendre une combi de tout le monde. Oh! Oui! Et boum! J'adore quand ça pète, j'adore. Bon! Et bah, le temps que je fasse tout ce qu'il y a à prendre sur le terrain, à tout de suite. J'aime quand même regarder le décor dans le jeu, est quand même bien foutu, quoi. Quand tu penses, les petits détails, quoi. Vraiment, ça demande du travail de fou furieux, hein, tout détailler comme ça. Hein.
les maisons et tout qui se pètent, ce qui est destructible. Il faut être honnête, il y a du boulot là-dedans. Je le crache beaucoup sur la gueule, parce que là, il manque de fluidité de gameplay et tout. Mais en termes de décor, en termes de travail au niveau des cartes et tout, c'est beau, hein. Rien que là, regardez, la voiture qui s'est encastrée dans le véhicule là. Genre vraiment, c'est du travail, c'est des modèles 3D qui ont été travaillés, ça. Hein. Moi, quand je regarde les décors, c'est fou, hein. Et tous les bâtiments différents, tu peux avoir 300 personnes dedans. Putain, je peux en mettre dedans. Oh, j'aurais kiffé avoir Star Theory par contre. Alors, je sais pas, c'est un quoi, hein, comme ça a l'air d'être 155 mm. C'est un 155 mm. Oh, j'aurais kiffé l'avoir plutôt qu'avoir. Enfin, coucou, les plateformes sont blindées. Hein. Les plateformes, ouais, sont blindées comme les plateformes. Ah, attends, j'ai vu un véhicule là que j'aurais pu prendre. J'ai pas. Oh, 1h43, c'est faux. Enfin, c'est vrai pour la mission, mais moi, vu le nombre de fois que j'ai dû recommencer, 2-3 fois, je crois. Qui m'ont pris 20 minutes chacun, dont une où je l'ai fait volontairement, j'avoue. Mais c'est. Je l'ai fait volontairement, mais vu le bordel que ça a été. En vrai, je regrette pas. Hein. Je regrette pas du tout. Hein. Il va pas encore replanter le con. Ah non, j'allais dire. J'allais dire, la dernière fois, il avait déjà planté la mission d'avant, il va pas me la refaire une deuxième fois. Hein. Je crois que c'est mon PC, hein. Il est passé plus simple. Lieutenant Alex Church of T-Force reporting. Enjoy that rank while you can, deserter. You won't have it much longer. We'll come to our decision after we've heard the evidence, General. Not before. Can't believe we're even giving this traitor a hearing. I'm now calling this Central Council meeting to order. Lieutenant Church, can we begin with your version of events? Allez, go. Captain Blair already told us about this coward's failings at Haven Base. I've read the captain's report. Now I'd like to hear the lieutenant's. Certainly, ma'am. After arriving at Haven, I was assigned to one of the Rio Grande posts. This was my first combat posting. 30 minutes plus tard, ok, pas besoin de relire. Ok, il raconte pas toute sa life, ok, c'est cool. So now we need to find out why Legion is taking so many prisoners, and we need to find and free Major Stevens. Stop using a good officer's name as an excuse for your dereliction of duty, Church. You said he was supposed to have been taken to Oklahoma. Have we found any sign of him there? All we've found there so far are bodies. And we're having trouble IDing them. They've all been skinned. What? Horrible as les it infiltrés. Is, this at least confirms the lieutenant's story that Legion is now taking living prisoners. Ce serait incroyable. Le fait que tu t'infiltres dans les bases. We've only been able to retrieve fragments of data from the servers at the captured base. But they confirmed the lieutenant's report about Legion convoys being used to transport prisoners. Who cares? None of this negates the fact that this deserter is responsible for what happened to Haven Base. Non, we'll get to that, coupable. Right now, I want to hear more about these prisoner convoys. We think the bodies found here are those who died during convoy transportation. Although we don't know why they've been skinned. As far as we can tell, the convoy's ultimate destination is a Legion research lab at Fort Worth. I know that place. Il s'est barré pendant. For the war, it was one of our medical research facilities. Si barré. Then that's where we gotta hit him next. There's still the matter of the verdict of this council, Lieutenant. Il a fait une petite the information you've uncovered about these convoys is extremely troubling and puts the events at Haven in a new light. Sir, I protest. Captain Blair's testimony makes it clear that. Thank you, General. We're quite aware of the captain's testimony and his relationship with you, General Blair. That has nothing to do with it. So what we need here, then, is the testimony of Major Stevens himself. If what the lieutenant says is true, then he may be alive at Fort Worth, and that place might also have the answer to the questions about these prisoner convoys. Therefore, Lieutenant Church, I am recommending... You cannot be serious! He's a coward and a deserter. I am recommending that the charges against you be suspended until more evidence is available. Hey, je suis pour rien, alors donne-moi ma chance quand même. Ah, il va encore me reparler. Lieutenant, a private word, if you will. General Blair doesn't seem happy, sir. Forget about him. He's always been a pain in the ass, and I doubt that nephew of his is any different. I'm glad you agree on the importance of the intel about these convoys, sir. Are we going to make Fort Worth base a priority target now? No, sir. We're not. Sir? You know how many priority targets we already have? You know how few forces we have to do anything about them? We need to pick our targets with care, son. And there's just not enough good intel available on this to let me make that call. But, sir... Your T-Force is composed of squads that were long ago written off as lost, and new ones you picked up that we don't even know about.
Officially, your force doesn't even exist. Ah, I can't give any Fort Worth mission to a unit already committed elsewhere. Okay. But you can to one that officially doesn't even exist. On est devenu une équipe secrète, en fait. You can rejoin the Founders and be assigned to a new unit, or you can stay off the records and go find and rescue Major Stevens. Au sein des fondateurs, d'accord. J'ai pas compris ça, moi, from the record. So what's your decision? I think you know, sir. Didn't doubt it, son. I'm giving you command of those Haven bases. Je voulais dire non. At Oklahoma, and some tech specialists you might find useful. Any supply needs? Talk to our logistics people. Any questions? No? Good. Dismissed. Sir, yes, sir. Oh, enfin! Encore! Vas-y. On va parler à la nénette qui m'a suivi. I want to talk to you before you leave, Lieutenant. Thanks for your support at Central Council, ma'am. You deserved it. What you did at Oklahoma. That makes it obvious you're not to blame for what happened at Haven. Thank you, ma'am. I'm hoping I'll still be able to prove my innocence. By going to Fort Worth and finding Major Stevens alive there? You know about that? Actual ask for my input. I support the plan, and I want to help you. I'd be grateful for any help the Rangers could give us. Consider it payback for the help you gave my people in Oklahoma. I can give you supplies, a helicopter, or two Ranger squads. Sorry I can't do more. But with your mission being so unofficial, I'm grateful for anything I can get. Give me a moment to choose. Non, je veux tes escouades de Rangers, tu les fous au cul. Ton ravitaillement, tu les fous au cul. Je veux. I could definitely use a helicopter. Je veux un Black Hawk. I'll give you the best crew I've got for it. Well, good luck, Lieutenant. You ever need a safe berth after the fallout from all this? Qui a pris les Rangers, sans déconner? Always a place in the Rangers for good men. Tu prends le Black Hawk. Thank you, ma'am. Good to know. Tu prends l'hélico. Il s'est mort. Toi, tu veux quoi? I don't know what Founder actual promised you, but Santa's grotto this ain't. We got supply problems like everyone else. Ah, tu me les donnes? 330,000 unités de ravitaillement, okay? Tu me les donnes comme ça? So what's c'est comme be? Si on me donnait 33,000 de thunes. To vehicles or equipment you already have, or just some more supplies? Donnez-moi des véhicules, j'ai des pertes à remplacer. Quel genre d'amélioration est-ce que vous avez? What kind of upgrades are we talking about? Okay, here's what I can give you. Armor kits. Ceramics for an Abrams, a Bradley, and a Striker. Two steel kits for Hummers. I'll even throw in a new Bradley engine. Or firepower. Heavy plasma cannon for the Abrams, and a plasma cannon, ATGM launcher, and light multi-barrel cannon for the Bradley. And that Bradley engine, too. Or infantry weapons. Our most powerful weaponry for two infantry squads. Top of the range MGs, a mounted plasma gun, a mounted recoilless rifle, and a top missile launcher. Vous recevrez du blindage pour chars et véhicules. Vous recevrez des armes pour les escouades d'infanterie. Vous recevrez des canons à plasma pour chars. En vrai, les canons à plasma, j'en ai déjà. Je vais y réfléchir. Est-ce qu'il y a des véhicules, c'est quoi? Okay. Here's the options. J'ai perdu un char, est-ce que tu peux me... Extra vehicles, upgrades to vehicles, si je peux avoir un char, ce serait cool. Equipment you already have, or just some more supplies? Attendez, F5, parce que s'il me dit rien, give je me vais more pas remplacer. I got losses to replace. Here's your vehicle bay authorization. Voilà notre, votre autorisation Abrams, en langage. Je... Bradley, on a un, c'est un Bradley, un obusier M109, et je peux même ajouter un canon ravitaillement et un canon s'éteindre, ça vous sound good? Et comment? Sure does. That's et it. Comment? Tell Founder Actual I did as instructed. Got it. Ah oh, mais oui. Mais il m'a mis bien le con. Oh, le Black Hawk. Juste parce qu'il y a ça. Et il y a ça. Ça, il n'y avait pas sur l'Iroquois. Il n'y avait ni la TGM, ni les flares, hein, l'Iroquois. Et là, on a les deux. C'est pour ça qu'il adore. Oh, oh le bordel qu'il y a à faire. Oh, j'ai 4 chars. J'ai 4 chars. Oh le bordel, j'ai 5 Bradley. J'ai 5 Strikers. J'ai perdu mon MV du cartel blindé là. Ah j'ai plus de MV cartel. Ah si, il y en a un là quand même. Il y en a un quand même là. Par contre j'ai perdu un mercenaire. Et ça, ça fait mal au cul. Par contre si je ravitaille en bonhomme, j'ai pas assez. camp des fondateurs détruit, un jour, poste de recrutement. On va aller au camp des fondateurs.
Ouais, alors. Il y avait autrefois un camp de fondateurs ici, depuis lequel l'attaque d'Oklahoma City fut menée. Lors de l'assaut suivant sur Oklahoma City, les forces de Légion frappèrent le camp par surprise, détruisant la plupart de ceux qui s'y trouvaient. Les forces des fondateurs qui revinrent trouvèrent quelques survivants et quittèrent ces lieux, en abandonnant les dépôts de ravitaillement et les ateliers de réparation d'équipements à moitié détruits. Peu de temps après, tels des vautours sur un cadavre frais, une escouade de ferrailleurs désintégrateurs arriva. Ah, c'est les intégrateurs qui sont là-bas! Go! On va aller voir! Mes amis! You are a friend of the integrators. You have access to a full range of trade items. Allez les copains! Je vais faire toutes les modifications tout de suite. Bon, niveau des véhicules, on est pas mal. Niveau des véhicules, on est plutôt pas mal. J'ai fait un peu le tri, j'espère que ça fera pas beaucoup pour faire les trajets. Parce que c'est vrai qu'il y en a encore pas mal. Hein. Entre l'artillerie où j'ai mis flinch dedans, les deux grosses artilleries que j'ai pas utilisées d'ailleurs dans cette map, plus les deux grosses artilleries blindax. D'ailleurs, il y a pas un blindage pour ça. Hein. Putain, j'ai pas de blindage pour. Ah, je suis un peu déçu. J'ai pas de blindage. Oh, oh, j'ai failli rater ça. Inadmissible. Inadmissible. D'ailleurs, j'en reprendrai au cas où. On sait jamais. La prévoyance. La prévoyance. Attends, y a quoi? Il y a encore ça, encore. Alors, faut encore ajouter. Incroyable. Ouais. Je vais reprendre la vidéo ici, je pense. Mais j'oublie encore des choses. Bah, nice, j'ai encore oublié ça. Il y a quoi d'autre encore? J'ai oublié. Il y a ça. Parfait. J'ai encore oublié ça. Non, vraiment, j'ai encore oublié plein de trucs. Par contre, ça fait beaucoup là, hein, en termes de munitions. Oh, 40 000 de munitions. C'est bon, c'est pas grave. C'est. Ouais, c'est bien, c'est bien. On va prendre ça encore. Hein. Putain, mais j'ai vraiment. Mais je suis vraiment un gros navet. Hein. J'ai vraiment oublié des trucs, quoi. Genre ça, j'ai oublié encore ça. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ça, j'ai oublié un truc là. Tac. Là, j'ai oublié encore des trucs ou merde? Ou c'est bon? Mon véhicule, je suis bon. Oh putain, j'ai oublié ça. En plus, j'ai deux petites artilleries, j'ai deux grosses artilleries, je suis vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Ah non, 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 mais je préfère largement ce blindage là. Hein. Je préfère largement le blindage. En plus, je l'aurais piqué, c'est vrai que je l'aurais piqué. Putain, c'est dommage que j'ai pas le blindage du cartel sur l'autre véhicule. Hein. Il bougera plus vite, hein? En vrai, c'est plus nul, mais bon, c'est pas grave. Ok, là, on va partir, on va aller au poste de reconnaissance secret du mouvement. On va aller les voir, un jour. Putain, j'ai quand même beaucoup de choses. Hein. Un petit avant-poste d'observation fortifié du mouvement. Un petit poste, vraiment, on s'en fout. Bien que le mouvement ne soit pas encore assez fort pour mener des opérations si loin des forces principales, il est déjà suffisamment développé pour placer des postes d'observation à une telle distance. Ok. Vous pouvez engager des escouades. Ah oui, alors là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils ne disent rien. Ok. Je leur fais juste un petit coucou, bonjour. Oh, ils ont rien. Oh. Ah non, mais vraiment, eh, si vous pouvez faire allier avec... avec les intégrateurs, faites-le. Hein. Alors vraiment, il y a trop de trucs quoi, que tu peux faire avec les intégrateurs par rapport à eux. Bon, ça, c'est plus nul. Hein. Je vais faire largement ce blindage-là que le blindage-là. Hein. Bon, je vais faire la petite modification où je dois vendre des bonhommes. Allez, à tout de suite. Aïe, 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 aïe. J'ai passé une demi-heure à calculer tout. J'ai dû vendre un char. J'ai dû vendre un de mes chars. Donc là, j'ai plus que 3 chars. Bon, ils sont bien équipés, hein. Mais j'ai plus que 3 chars. 3 bradelets. J'ai plus que les deux artilleries de 155 et les deux artilleries de 122. J'ai toujours mon Ebolaco, ça je le garderai. 3 strikers. Il y a que des 3 partout. Avec 4 de munitions, 1 de carburant. J'ai juste laissé une petite artillerie. J'ai réussi à garder une petite artillerie quand même. J'ai 3 ATGM, enfin j'ai pratiquement tout ce que j'avais avant, sauf que j'ai réduit quoi, j'ai perdu un char au total, je l'ai vendu, il est là. En plus je l'avais amélioré et tout. Bon allez, let's go, ça fait mal au cul mais bon, c'est pas grave, let's go. Ok, let's go. La base scientifique de Légion, toutes les pistes relatives aux personnes capturées mènent à cet endroit. Vous y trouverez sans doute des prisonniers ainsi que des données expliquant le sort de Légion que Légion leur réserve. Nous devons sauver le Major Stevens et découvrir ce que manigance Légion. Let's go! 7 jours! Ça fait mal au cul quand même. Là, je vais Oh la vache. Sounds like firefights happening up ahead. We should do a recon. See what we're walking into. Small recon force?
I want to let the Wireheads know our whole force is out here. Agreed. One experienced recon squad only. We're too close to Fort Worth to let them know we're coming. Ok, là on passe sur Fort Worth. On regarde le début du jeu, enfin de la partie, et après on se laisse là, hein, comme d'habitude. Oh putain. J'ai passé plus d'une heure en fait. Oh, on peut calculer. Parce que j'ai dû le refaire deux fois, faut dire. J'ai dû, la première fois, j'étais complètement foiré. Et là, faut minimaliser tous les déplacements que tu fais, quoi. Quand t'as 100% de ravitaillement dans le custom, c'est une dinguerie. Hein. Et je crois que c'est 150%, hein, je crois, le pire. Mais 150%, tu t'amènes rien sur les terrains. T'amènes même pas un char. C'est 150%, t'amènes un char, un Bradley, c'est bon, t'as ton armée, quoi. Non, mais vraiment, tu peux rien avoir. Ah, ça va, j'ai quand même 3 chars, quoi. J'ai quand même 3 chars, 3 Bradley. J'avais perdu le char du cartel aussi. Je me suis poutré le char du cartel. Ah, encore, on s'en sort bien, je trouve, hein. Je trouve qu'on s'en sort bien pour un réaliste plus en difficulté, c'est... Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. En espérant à chaque fois que le record de... Bon, c'est le seul truc qui me fait chier, c'est... Faudrait que j'essaierai de régler ça lors de la campagne Légion. Avec le PC. Je sais pas si c'est le PC ou si c'est Streamlabs. Même si là, il a lagué tout à l'heure, hein. Ça a lagué tout à l'heure. Donc bon, je sais pas. On verra bien. Ok. On entend les criquets. Ah, Kondo. Infanterie équipage. Oh, tu peux avoir une seule force. T'amènes quoi? Kondo. Kondo la vie. Kondo le bro. De toute façon, Kondo toujours au début de game. Hein. Et après, j'utilise plus à chaque fois. Je laisse derrière. Ok, let's be careful. No arguments here. C'est quoi cette infiltration? Probably best we send in a scout team. Oh, there's a high-rise building there where we can recon the whole area from. Attends, fais voir la map. Deux secondes avant de vous laisser. Je me rappelle pas c'est quoi cette merde. Qu'est-ce que c'est que cette... Je me rappelle plus de cette carte. Elle était si dure que ça? Oh, ça, peut-être que je m'en rappellerai. Ah si, c'est bon. Tout ça, c'est une base de la Légion. Et en fait, ici, tu dois sauver des prisonniers. C'est ça, tu dois sauver des prisonniers. Bon, en tout cas... J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. En vous souhaitant une agréable journée et une bonne soirée. Bisous, c'est Exana sur Terminator Dark Fate Defiance. Et tchou!